Le football n'est pas un long fleuve tranquille. Le monde du ballon rond a toujours été traversé par des tapages qui laissent des traces profondes dans la conscience collective. Des scandales pour lesquels on a un avant et un après. Erreurs de jeunesse, mauvais comportements, fraude financière, dérapage de supporters, matchs truqués, la palette est large et le vestiaire bien rempli. Pourtant, les stades ne se désemplissent pas. Par passion, mais aussi par raison. Ce documentaire retrace les grandes affaires du soccer dans le monde et en France, tout en zoomant sur les trois causes d'une telle passion, malgré toutes ses indignations. Lors du Mondial 1986, l'Argentine et l'Angleterre s'opposent en quart de finale. Dans un climat tendu, Maradona marque un but de la main à Peter Shilton, le goal britannique. L'arbitre valide le but. Le rusé Diego déclare à la fin du match avoir marqué un peu par la tête de Maradona, un peu par la main de Dieu. Quelques minutes plus tard, le tricheur marque un but fantastique en dribblant la moitié de l'équipe anglaise et uniquement avec ses pieds. Depuis des années qu'il fréquentait les terrains, Zidane savait que les injures étaient fréquentes. Et pourtant, ce jour-là, en finale du Mondial 2006, le numéro 10 français ne supporte pas les provocations de l'Italien Materazzi et lui assène un coup de tête au thorax. Dénoncé par l'arbitre vidéo, Zizou est expulsé et la France perd la finale. Le meilleur joueur de la planète a raté sa sortie et Thierry Gilardi en reste ébahi. Pas ça Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. J'essaie de faire intervenir le quatrième arbitre sur la télé. C'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. Oui, il n'y a même pas lieu de contestation. Mais non, on ne peut pas contester. On ne peut pas contester. Sauf, même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre. Ne doit pas mettre ce coup de tête. C'est pas vrai, c'est son dernier match. C'est la finale de la Coupe du Monde. C'est terrible. C'est terrible. On était dans un conte de fées jusque-là. Ce qui s'est passé avant. Mais voilà, ça. Je ne sais pas, on l'a pas vu, mais. Mais quoi qu'il arrive, Zinedine ne doit pas répondre, Jean-Michel. Absolument, mais aucune circonstance à tenir. Aïe. Et c'est la dernière fois. Et c'est la dernière fois. Il nous a fait tant rêver. Il nous a donné tant de bonheur. Coupe du Monde 2006. Les Pays-Bas et le Portugal s'affrontent en 8e de finale. On s'attend à un spectacle de qualité entre ces deux équipes invaincues dans la compétition. Mais les 2 milliards de téléspectateurs ont droit à un combat de rue. Tacle à retardement, provocation, coup vicieux. L'arbitre sort 4 cartons rouges et 16 jaunes à 12 joueurs, record absolu pour une compétition de la FIFA. Le Portugal remporte le match, mais est éliminé par la France en demi-finale. Il est battu, il ne peut pas avoir le ballon. Et il essaye une seule chose, c'est de tamponner Patrick Battista. Séville, 1982, demi-finale du Mondial. La France
affronte l'Allemagne. Le défenseur français Patrick Battiston a l'occasion de qualifier son pays quand le gardien allemand Schumacher se désintéresse du ballon, le percute en avant avec une violence inimaginable. Le français sort sur une civière et véritable scandale, l'arbitre ne réagit pas. Ni pénalty, ni carton rouge, ni même carton jaune. Tous les joueurs, tout le public, tous les téléspectateurs, il n'y en a qu'un qui n'a pas vu la faute. Un seul, c'est l'arbitre. En septembre 1989, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, les Chiliens affrontent les Brésiliens. Ils perdent déjà 1-0 quand leur gardien Roberto Rojas a alors une idée. Il se roule par terre, prétendant avoir été blessé par un pétard lancé des tribunes. Le petit malin s'est en réalité coupé avec un rasoir caché dans son gant. Il espère ainsi que la partie s'arrête et que le Chili soit déclaré vainqueur. Le match est bien arrêté, mais la vidéo le démasque. Il est suspendu à vie et le Chili exclu du Mondial 1994. Au début de l'été 2006, 5 équipes italiennes sont reconnues coupables d'avoir gagné de nombreux matchs entre 1999 et 2005 grâce à des arbitres corrompus. C'est le scandale du Moggioppoli. Les sanctions tombent. La Juventus de Turin d'Antonio Conte est rétrogradée en deuxième division et déchue de ses deux derniers titres de champion. 19 personnes sont arrêtées, dont Stefano Maori, le capitaine de la Lazio de Rome, et Omar Milanetto, le milieu de la Sampdoria de Gênes. Péniblement qualifiés pour le Mondial 2010, les Bleus n'ont marqué aucun but et comptent un seul point après deux matchs. Mais c'est loin d'être le plus grave. Après le renvoi de Nicolas Anelka pour injure envers le sélectionneur Raymond Domenech, les joueurs refusent de s'entraîner la veille du dernier match de la poule capitale pour la qualification. Ils s'enferment dans le bus de la honte. Cette attitude d'enfant gâté désonne la France entière et indigne les passionnés du foot du monde entier. C'est le pire épisode de l'histoire des tricolores. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci. Il y a des choses qui ne se font pas en finale d'une Coupe du Monde. Mais pas pour l'Allemand Jürgen Klinsmann, visiblement. En 1990, il tente de dribbler le défenseur argentin Pedro Monzón. Sans que ce dernier ne le touche, l'avant-centre allemand réalise trois roulades théâtrales, l'île de son surnom de roi du plongeon. Carton rouge pour Monzón. C'est la première expulsion d'un joueur lors d'une finale de mondial.
Coupe du monde 1982. L'Allemagne affronte l'Autriche dans le dernier match du premier tour, alors que l'Algérie, la troisième équipe de la poule, a déjà joué son dernier match. Pour se qualifier, l'Allemagne doit remporter la rencontre et l'Autriche peut perdre, mais avec moins de 3 buts d'écart. Au bout de 10 minutes, les Allemands marquent. Voilà, le match est fini. Pour conserver ce score qui élimine l'Algérie, les deux équipes se contentent jusqu'à la fin de la rencontre de se faire des passes inoffensives. Un vrai scandale. En octobre 2009, les clubs de Sunderland et de Liverpool s'affrontent pour le prestigieux championnat d'Angleterre. Les supporters sont heureux et gonflent des ballons de baudruche qui s'envolent dans le ciel et retombent sur la pelouse. À la cinquième minute, l'un d'entre eux dévie le tir d'un attaquant de Sunderland. Le ballon de cuir change de direction et prend le goal de Liverpool à contre-pied. Les Reds crient au scandale, mais le but est accordé. Incroyable. Dans l'Hexagone, les affaires ont toujours existé et le monde du ballon tricolore n'a pas attendu 2010 et la tragédie de Kizna pour ne plus tourner rond. De la caisse noire de Saint-Etienne à l'escapade de 5 internationaux espoirs, quelques heures avant un match primordial en Norvège, en passant par des histoires de mœurs, il y en a pour tous les goûts. Le grand club de la fin des années 70 en France, c'est Saint-Etienne. Pour payer les transferts et les salaires des stars, faire plaisir à certaines personnalités dont les hommes politiques et s'en mettre plein les poches au passage, les dirigeants des Verts constituent une cagnotte, notamment alimentée par les boutiques du club. Le mythique président Roger Rocher et son équipe sont accusés de détournement de fonds. Roger Rocher fera 4 mois de prison et les Verts ne retrouveront plus jamais les sommets. L'affaire VAOM est sans contexte le cataclysme du début des années 90 dans le football français. L'OM de Bernard Tapie se trouve à cette période non seulement au sommet du football de l'Hexagone, mais aussi sur le toit de l'Europe après une victoire en Ligue des Champions face au grand Milan AC. Mais les révélations du défenseur valenciennois Jacques Glasman changent tout. Le joueur de l'OM, Jean-Jacques Etli, avoue avoir été mandaté par son président pour tenter de corrompre certains joueurs nordistes. L'affaire entraîne la descente aux enfers du club, rétrogradé en deuxième division et destitué de son titre de champion de France en 1993. L'affaire des faux passeports éclabousse plusieurs clubs français lors de la saison 2000-2001. Monaco, Strasbourg, Metz, mais surtout Saint-Etienne sont dans la polémique. La cause, 6 joueurs ont été alignés par les clubs respectifs avec des faux papiers. Parmi eux, les Stéphanois Alex, Aloisio et Levisky, le Monégas Contreras, le Strasbourgeois Garay et le Messin Mondragon. Depuis 2007, Robert Louis Dreyfus se dit qu'il va enfin pouvoir se débarrasser de ce puissant fonds qu'est devenu l'OM. L'homme d'affaires canadien Jacques Cashcar est prêt à lui racheter le club pour environ 115 millions d'euros. Mais le 22 mars de la même année, RLD rompt finalement les négociations après avoir compris que Cashcar ne tiendrait pas ses engagements. Pour cette escroquerie à base de fausses garanties bancaires et virements effectués à partir de comptes non provisionnés, le tribunal correctionnel de Paris condamnera le Canadien à 10 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et 500 000 euros de dommages et intérêts à verser à Margarita Louis-Dreyfus, veuve de RLD. Difficile d'écarter l'affaire de la banderole anti-ch'ti déployée par des supporters parisiens en mars 2008 pendant la finale de la Coupe de la Ligue opposant le Paris Saint-Germain au Racing Club de Lens. Pas fin, pas drôle et surtout de très mauvais goût, ce trait humoristique et chambreur a fortement déplu aux Lensois bien sûr, mais aussi aux instances du football français. Oui, en 2008, on ne touche pas aux ch'tis grâce à Danny Boone. Beaucoup de bruit pour finalement déboucher sur pas grand-chose, des amendes allant jusqu'à 600 euros. À la mi-temps du match mal embarqué contre le Mexique lors de la Coupe du Monde 2010, Raymond Domenech décide de remplacer Nicolas Anelka.
Dépité, l'attaquant murmure son mécontentement. Problème, un célèbre quotidien sportif français fera de cette phrase la une de son édition du lendemain pour illustrer la bérésina des Bleus. Les propos de Nico sont restés dans les annales et personne ne l'a revu depuis sous le maillot tricolore. La dénommée Zaya Dehar, aujourd'hui styliste, est devenue célèbre grâce à son activité d'escort girl auprès de footballeurs internationaux. Mineure au moment des faits, la jeune femme affirme avoir eu des relations tarifées avec Franck Ribéry et Karim Benzema. Les deux tricolores ont été mis en examen. Mais le vrai scandale pourrait être aussi cette différence de tarif. 2000 euros pour Francky et 500 pour Karim. Discrimination anti-ch'ti, vieille rancune à l'encontre d'un joueur jouant dans un club allemand. Deux problématiques qui font encore jaser. Fin 2012, 5 joueurs de l'équipe de France Espoir décident d'effectuer une virée en boîte de nuit 3 jours avant un match contre la Norvège, décisif pour se qualifier pour le prochain Euro. En plein rassemblement, les 5 tirs au flanc font le Havre Paris pour se payer un peu de bon temps. Mavinga, Ben Yedder, Niang et Griezmann sont suspendus de toute sélection en équipe nationale à compter du 12 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013. Yanem Villa, déjà dans le collimateur de la Fédé avant cette histoire, écope quant à lui d'une suspension jusqu'au 30 juin 2014. Pour faire vendre des maillots, il faut inventer chaque année quelque chose, quitte à faire n'importe quoi. Du orange pour l'OM, au fluo sécurité routière pour Lyon, en passant par le rose pétant, les tuniques éblouissent et piquent aux yeux. Un scandale en guise de clin d'œil, évidemment pas au niveau des hôtes, mais du pain béni pour les ophtalmos. La palme dans ce domaine, revenant au gardien mexicain Jorge Campos. Abusant de toutes les gammes de fluo, du rose au vert, en passant par le jaune et le bleu, il reste le goal le plus color block de l'histoire du football. Des maillots dessinés par ses soins. Scandale aussi dans le monde du football féminin. Deux joueuses de la sélection de Guinée équatoriale ont été évincées du groupe. Salima et Belgissa Simporé, deux sœurs, sont accusées d'être en fait des hommes. Déjà associées d'un scandale similaire fin 2010, la fédération a préféré écarter les deux joueuses qui n'ont pas joué la Coupe du Monde 2011 en Allemagne. La dernière sortie médiatique de Sepp Blatter a quant à elle déchaîné le gouvernement portugais qui réclame à l'heure actuelle la démission du patron de la FIFA suite à la caricature humiliante reçue par le joueur Cristiano Ronaldo. Perçu comme un militaire sur le terrain, dépensant plus d'argent pour ses cheveux que Lionel Messi, le commandant CR7 a répondu à sa façon. Un salut après un but. Blatter, le dégarni, serait-il devenu jaloux de la perruque de Cristiano? C'est parce qu'un scandale futur se dessine aujourd'hui que nous ne pouvons pas passer sous silence l'édition 2022 de la Coupe du Monde au Qatar. Le pays a-t-il acheté l'exemplaire? Une grande question qui fait débat. S'il est encore trop tôt pour l'affirmer, un soupçon de corruption est sorti de l'ombre. Les Qataris auraient apparemment mis sur la table une grosse enveloppe pour se voir attribuer la World Cup.
Dans le collimateur, la FIFA, Michel Platini et l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, qui, souvenons-nous, s'envolait souvent pour le Moyen-Orient. Dernièrement, une autre problématique fait polémique. Alors que la construction des stades a débuté, la future enceinte de la ville d'Al-Wakra fait couler beaucoup d'encre. Comparé à un vagin géant, son nom, Vagina Stadium, crée déjà le buzz. Malgré toutes ces discordes, les stades sont toujours aussi remplis, toujours autant d'engouement et de passionnés à la recherche de l'exploit, du beau geste. Il s'en va, vas-y, il s'en va. Là, il est à bout de course, il voudrait son ballon. Et sur la ligne des 16,50 m, un retourné. On appellera pas ça un ciseau, mais c'est un retourné. En tout cas, c'est un exploit technique. Une papinade, un but 100% marseillais, Basile au départ, Papa à l'arrivée. Oh quel but! Oh là là! Un but sensationnel. L'admiration pour la technique n'est pas la seule raison qui pousse autant de fans à fermer les yeux sur le côté obscur du ballon rond. Pour l'anthropologue Christian Bauberger, le football serait le reflet de notre existence, le reflet d'un idéal bien entretenu par les stars Messi, Ibrahimovic entre autres. Enfin, si tant de gens continuent d'adhérer au football, malgré tous ces hics, c'est parce que ce sport permettrait à l'être humain de rêver ce qu'il n'est pas, croire au paradis, au divin. Au regard de tous ces scandales qui ont éclaboussé et qui entachent encore le football, sport le plus pratiqué dans le monde, une morale nous interpelle. Il n'est bon festival sans scandale. Mais le commun des mortels s'est aussi sanctionné et les fédérations, devant des preuves accablantes, n'ont pas toujours fermé les yeux. Cependant, derrière ces désordres, la foule, en délire, arrive toujours à trouver du plaisir. Preuve que le scandale d'un artiste est la meilleure proclamation de la réussite.